Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue, bienvenue à mon 246e jour d'interview de femme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Ce soir, je vais avoir donc... Corinne en live ce soir avec moi. Coucou ma Solveig, comment vas-tu? Alors, je viens d'envoyer l'invitation à Corinne qui est mon invitée de ce soir. Nous allons passer 20 minutes durant lesquelles nous allons parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait. Coucou Li, comment vas-tu? Alors, Corinne, je t'ai envoyé l'invitation, yes, à Creating Current Connections, voilà. Je te laisse appuyer sur le bouton pour demander à participer au live. En principe, quand tu rentres, tu as un petit bouton qui apparaît. Oui, merci ma Solveig, je suis trop contente qu'il me dit quelle chance d'être en direct ce soir. Enfin, c'est moi qui l'ai rajouté ce soir. Je suis trop contente de te voir par ici. Si tu as le temps, Solveig, tu verras, je pense que ça va t'intéresser. Alors, je vais accueillir donc Corinne. Voilà. Hello. Comment ça va? Ah ben moi j'ai super bien. Je suis ravie d'être là. Merci. Ah, je t'entends. Hein. Tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Tu m'entends super. Bien toi? Ouais, impeccable. Ouais. Ça c'est. T'es où? Ça a l'air super beau. Alors, je suis dans mon jardin en Suisse. En Suisse. Ah, c'est beau la Suisse. Tu sais, moi, j'ai habité en Allemagne. J'habitais près de Bitburg. Ouais. Ah, bah, c'est beau aussi, l'Allemagne. Ah, c'est vert, quoi. C'est... Il faut aimer le vert. Il faut aimer un petit peu la pluie aussi, de temps en temps. Voilà. En tout cas, merci d'être là, Corinne. Comme à mon habitude, je ne connais pas mes invités. Hein. C'est une habitude que j'ai prise depuis 249 jours. Je vous interview, la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas encore. Et du coup, j'ai créé cet espace aussi pour vous rencontrer, pour vous découvrir, pour vous nous partager qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous en êtes arrivé là. C'est un peu vraiment le guide de cette interview. Et nous avons à peu près 20 minutes. Voilà. Ça va être la difficulté. Les 20 minutes avec moi. Ce n'est pas une difficulté, c'est un challenge. Challenge, hein, c'est ça que ça, les challenges. Donc, si tu es OK avec ça, j'aimerais bien que tu nous partages qui es-tu, Corinne? Ah, Corinne, ça c'est tout un programme, ça, Corinne. Moi, donc, je suis Corinne Kaya et je suis... Quantum Mentor, j'ai un long pédigré. Mon histoire, c'est que à la base, je suis française, je suis marseillaise, mais à 24 ans, j'ai rencontré mon maître spirituel à 19 ans. Wow. Avec 4 ans, j'ai ressenti ce besoin de partir, et dans l'avion Paris-New York, j'ai rencontré mon futur mari qui était un pilote de chasse américain. C'était l'histoire Top Gun. Ouais, un peu, hein. Ah ouais, mais en plus, ils vivent ensemble, tu vois. C'était un truc de fou. Et donc, je suis partie vivre aux États-Unis. On a beaucoup déménagé. On a vraiment énormément déménagé parce qu'en les premiers 15 ans de mariage, on a déménagé 12 fois, donc une base américaine en Allemagne. Et puis, au bout de 20 ans, on était station. On était à Washington DC, à la capitale des États-Unis, parce qu'il était au Pentagone. Et puis moi, j'ai décidé d'y rester. Lui, il a continué sa carrière, il est devenu base commander, il est devenu tout ça, et moi, j'ai décidé de rester. J'avais commencé une carrière qui était assez exceptionnelle. Donc, j'étais bien aux États-Unis. Et puis, donc, comme je disais, moi, j'ai commencé, j'étais initiée... ce qu'ils appellent le quantum mentor maintenant, ça c'est la loi de l'attraction, tout ça. Moi, je suis de la vieille école. Donc, c'était mon maître spirituel m'a initié à tout, parce que tout ça, ça remonte à tellement longtemps. C'est pas nouveau, mais c'est le secret qu'il a mis en dehors, tu sais, tout ça. Moi, je pratique la loi de l'attraction, tout ça, depuis l'âge de 19 ans, sans le savoir. Quoi, sans le savoir? Je savais, mais je l'appelais pas comme ça, tu vois. C'était, ouais. Ça avait d'autres noms, ça a été, et donc, moi, du coup, j'ai élevé mes deux filles
dans le monde quantique. J'ai élevé mes deux filles de toutes jeunes à respecter l'univers, à manifester. Et puis aujourd'hui, elles ont 27 et 24 ans. Moi, je suis de retour en France depuis un an. Il y a un an, ma mère est tombée malade. Je savais qu'elle allait tomber malade parce que c'était évident. Elle avait vu une voyante quand elle avait 18 ans qui lui avait dit qu'elle mourrait à 77 ans. Donc, ma mère, bien sûr, à 77 ans, s'est découvert un cancer dans l'utérus. C'était normal. Et donc, je lui ai donné et moi, toute ma vie, je l'ai entendu. Hein. Et je lui ai donné la décision. J'ai dit, écoute, de toute manière, cette bonne femme, elle avait raison. Parce que soit à 78 ans, mais tu crèves, le matin, tu es 78 ans, tu te réveilles et tu te rends compte que la femme de 77 ans qui a cru tout, quoi, qui a cru toute sa vie qu'à 77 ans, elle mourrait, n'existera plus de toute manière. Parce que tu as 77 ans. Je dis, maintenant, tu choisis lequel tu veux. Et ma mère, aujourd'hui, est en pleine santé. Et donc moi, j'ai élevé mes filles donc, aux États-Unis, assez à la française quand même, mais je les ai élevées. Depuis qu'elles sont nées, je voulais écrire un livre sur comment élever un enfant français américain, quoi, franco-américain, tu vois. Et j'arrivais pas, ça marchait pas, il y avait toujours quelque chose, tu sais. Et c'est le jour où elles sont parties de la maison que j'ai compris qu'il fallait tout faire. Il fallait vivre du moment où elles naissent au moment où elles sortent de la maison, où elles ont leur vie. C'est là que tu as fini, quoi, que je croyais que tu as fini d'être un parent. Et en fait, ma fille vient de se marier. Et en fait, je comprends que à chaque fois, c'est une étape. C'est maintenant parce que dans son choix d'époux, le choix qu'elle a fait pour un époux, je vois qu'elle a manifesté parce qu'elle a écrit ce qu'elle voulait à 9 ans. Je l'avais faite manifester à 9 ans. Elle a dit, je me marierai à 27 ans. Elle se marie avec le garçon qu'elle a rencontré à 13 ans. C'est la plus belle histoire d'amour qu'on connaisse. Ils sont tous les deux à vivre à Manhattan. Ils sont tous les jours heureux. Et je les regarde. Et c'est vrai que bon, je suis la mère, donc tu trouves toujours tes enfants extraordinaires. Bien sûr. Mais je les vois, je suis fière. Je suis fière de l'humain qu'elles sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux très différentes. Et je vois quand même la beauté de l'être, de l'âme, tu vois, c'est un truc extraordinaire. Comment elles manifestent leur vie, toutes les deux. Ces deux gamines qui sont toutes les deux dans des relations très saines, même que mon ex-mari et moi, on a divorcé, mais on est quand même très amies. Elles sont dans des relations très saines, elles gagnent très bien leur vie, elles sont heureuses dans leur boulot qu'elles ont manifesté. Donc, il y avait une puissance. Et moi, je m'étais dit, ben, c'est ce que je veux faire, moi. Comme j'étais partie des États-Unis pour venir m'occuper de ma mère, je m'étais dit, ben, je vais être un quantum parenting. Donc, j'ai créé la quantum parenting méthode, tu vois. Et je voulais enseigner aux parents comment devenir. Parce que c'est facile d'être un bon parent à un bon enfant. C'est beaucoup plus difficile d'être un bon parent à un enfant qui a plus de difficultés ou de. Moi, dans toute ma philosophie de parenting, c'est enlever l'ego du parent. Parce que maintenant, on fait l'enfant roi. Et il ne faut pas faire ça. Il faut justement leur donner les bases, il faut tout pour que ben, le monde devienne de plus en plus dur avec tout ce qui est online bullying, avec tout ça. Il faut leur donner tout ça aux enfants. Donc moi, c'était mon cheval de bataille. Ça y est, j'allais révolutionner le parenting, j'allais tout faire, tu vois. Mais l'univers, il en avait décidé autrement. Donc, je devais Ah, c'est lancer cool. ma classe le 31 mai de cette année, ma première masterclass sur le quantum. Il y avait un intérêt extraordinaire, il y avait tout ce qui se passait. Et le jour de la fête des mères, donc le 29 mai, mon père fait un AVC. Il faut comprendre que mon père, c'était parce que j'ai construit une maison juste à côté de chez mes parents. Pour profiter, quoi. Ça, c'était. Et puis, ils se deviennent âgés, tu vois. Donc, mon père, c'était tous les matins, il venait taper à la porte, il me disait coucou. Et alors, il est presque café, tu vois. Et c'était 2, 3 heures de discussion, c'était un truc. Donc, mon père fait un AVC. Et du coup, ben, j'ai tout annulé parce que j'allais à l'hôpital, je m'occupais de lui, tout ça. Donc, pendant 3 semaines, ça a été. J'ai tout mis en pause. Et puis, finalement, au bout de 3 semaines, quoi, il avait fait entre-temps, il fait un deuxième AVC, mais pareil, pas très, c'était des petits AVC, c'était pas énorme. Il devait sortir un mercredi.
Et donc le mercredi, moi, tout content, je pars faire les courses pour lui acheter tout ce qu'il aime, parce que bon, ça fait quand même un moment et tout. Je vois l'hôpital qui appelle, je réponds tout content, parce que je me dis, bah, ils vont me dire que il sort, quoi. Et puis ils me disent, votre papa a fait un troisième AVC dans l'année, et il ne se réveillera pas. Et ça a été un choc énorme. Ça a été un choc énorme pour moi de savoir que. Surtout à ce moment-là, quoi. Ça, c'est, je me suis dit, mais c'est pas possible. Une semaine après, je mariais ma fille, au fait. Hein. Donc, c'était tellement d'émotions, tout ça. Et du coup, j'ai arrêté le coaching. J'ai arrêté le coaching parce que je me disais, mais je peux pas. Je peux pas. Il faut que je vive ce deuil. Il faut que je fasse beaucoup de choses, quoi. Et puis, mais moi, je communique beaucoup. Je chanante beaucoup, tu sais. Et puis, quelques jours après son décès, j'ai entendu, mais ta mission est tellement plus grande. Et ta mission est tellement plus grande. Et tous les matins, je me réveillais ça. Mais ta mission est tellement plus grande. Et j'étais épuisée. Je disais, mais pourquoi? C'est quoi cette histoire? Arrête. Tu vois, je disais, mais arrête. C'est quoi ma mission tellement plus grande, tu vois? Et puis, mais j'étais quand même toujours dans ce coaching business. Tu vois, je coachais beaucoup gratuitement. J'aidais beaucoup toutes ces femmes. Et puis j'ai commencé. Ben, tu connais le human design? Oui, un petit peu. Le human design, j'ai le cœur tout ouvert, moi. C'est-à-dire que j'absorbe tout ce qui est autour de moi, tu vois, ça c'est. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même beaucoup de douleur dans le monde du coaching. Il y avait beaucoup de femmes qui souffraient. Et je commençais à le ressentir, et je voyais ce manque d'argent, ce manque de. Moi, je sais manifester l'argent. Deux fois, j'ai manifesté en moins de 6 mois des très grosses sommes. Le truc, je ne sais pas si tu connais l'histoire avec Jim Carrey, le chèque. Je l'ai à la perfection cette histoire. Donc moi, si j'ai besoin d'argent, je m'écris un chèque, l'argent arrive, tu sais. Et donc moi, l'argent, c'était pas un de mes soucis. Mais je voyais toutes ces femmes qui souffraient tellement de ce manque d'argent, qui se et en commençant, en con connaissant comment le quantum marche, ce que tu mets à l'univers, tu le retrouves. Et si ces femmes, et c'est vrai, quand je vois le monde du coaching, ils te disent, il faut investir dans toi pour pouvoir recueillir beaucoup plus. C'est pas exactement vrai. C'est vrai si tu as déjà les comptes en banque assez remplis. Si tu vas dans la dette, qu'est-ce que tu crées? Tu crées la peur. Tu crées la peur du lendemain. Tu n'arriveras jamais à manifester à partir du manque. Jamais. Et donc ça, j'ai commencé à avoir un petit peu peur de voir ce qui se passait. Je me suis dit, mais et ces femmes qui souffraient, je sentais, je ressentais la désespération, comment tu dis, désespération, Le désespoir, le le désespoir. désespoir. Je ressentais leur désespoir, je ressentais tout ça. Et un jour, quand, je sais pas, j'ai eu une réaction, je dis, mais moi, je sais comment manifester l'argent. Je dis, écoutez, je vais faire une masterclass gratuite, comment j'ai manifesté par deux fois des grandes sommes, et je vais vous donner tous les secrets. Comme ça, on enlève l'argent de l'équation, l'équation. Et parce que moi, je ressens, et je sais pas si tu fais partie de la communauté spirituelle, les prochains mois vont être très durs. Il va se passer beaucoup de choses. Je l'avais ressenti avant le Covid. Et là, c'est le moment pour toutes les femmes de s'ancrer. Il faut vraiment qu'on s'ancre. Les femmes et les hommes, hein. Il faut qu'on s'ancre. C'est très important de s'ancrer. Et ben, pour s'ancrer, il ne faut pas être dans la peur. Il faut être dans une vibration. T'as reçu un appel? Que je me suis dit, ben, je vais aider ces femmes. Non, I don't answer it. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire cette masterclass. Donc, j'ai mis le truc, j'ai dit, écoutez, masterclass gratuite, je vous apprends comment j'ai manifesté. Et il y avait plus d'une centaine de personnes et l'univers, il marche d'une manière très bizarre, très intéressante. Et il y avait plus de 100 personnes qui voulaient venir, mais il n'y a que 44 qui sont réussis à rentrer dans le masterclass. C'était un truc de fou, hein, c'était vachement intéressant. Et puis, moi, j'ai une sœur d'âme, Audrey. Et on l'a fait ensemble, parce que j'ai tendance à être un peu écureuil, aller dans toutes les directions, tu sais, je pars mon fil. Et puis, donc, on a fait la masterclass toutes les deux, et je leur ai expliqué comment, par deux fois, j'ai manifesté, mais en même temps, je parlais de beaucoup que c'est. Moi, je suis la vieille école, c'est-à-dire qu'on a un respect pour l'univers. Et que je leur ai commencé par disant, je vais vous donner un cadeau. Quand l'univers te donne un cadeau, il faut le rendre. Donc, toutes les femmes ici, ce que je vais vous offrir, faut l'offrir à quelqu'un d'autre. Il faut offrir de votre temps, de votre cœur. Et je dis, on manifeste que par le cœur. C'est que par ça. C'est en bas. Et donc,
dans cette masterclass, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Il faut savoir que moi, en Human Design, j'ai la clé, la channel 360, c'est-à-dire que je active, c'est-à-dire que je permets aux gens autour de moi de faire des sauts quantiques. Et on les voyait se passer devant nous, ces 60 clics. On voyait ces femmes. Il y a la moitié qui se sont mises à pleurer. Il y a la moitié qui. Ça a été un truc de fou. Ça a été une masterclass qui a duré 2 heures et demie. C'est pour ça que quand tu me dis 20 minutes, tu dis d'au-delà quand même ça. On va On va essayer, on va essayer, hein. essayer. On va essayer. Hein. Je parle Il nous vite, hein, reste t'as 4 vu? minutes. On est foutu là. Et du coup, déjà, oh mon Dieu, ça va tellement vite. Et puis, bon, je vais faire l'histoire courte. Donc, du coup, c'est 44 femmes. Donc, moi, elles étaient toutes secouées, ça a été beaucoup d'amour, beaucoup de tout ça. Je vais me coucher, mais vidée, parce que j'ai channeling pendant 2 heures et demie, tu vois, c'est lourd. Hein. Le matin, je me réveille, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais plus de 50 messages, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là et tout? J'avais créé un mouvement. J'avais créé un mouvement de toutes ces coaches qui se sont senties vues, parce que j'ai fait en sorte de parler à chacune d'elles. Elles se sont vues, elles se sont senties aimées, elles se sont senties activées, elles se sont senties, il y a un truc, et elles ont commencé à poster sur ma masterclass que j'avais faite. Le lendemain, là, je viens de savoir, on a généré ce groupe de 44, on a généré plus de 80 000 euros en sell, en vente. Les autres, elles ont appris, je leur ai appris à manifester les trucs, elles ont manifesté des petits trucs. Ça a été un truc extraordinaire. Je suis allée chercher l'enfant intérieur, je suis allée. Et ça a été une expérience extraordinaire. Mais après, Audrey et moi, on s'est regardés, on s'est dit, mais il n'y en a pas une qui parlait d'argent. Elles parlaient tous de la communauté qu'elles avaient trouvée. Et on s'est aperçu que c'est ce qui manquait le plus. Et on s'est dit, mais il faut aider ces femmes, il faut les aider, il faut qu'on se soutienne toutes. Et on avait créé un Facebook, un groupe qui s'appelait le Quantum Delta, pour les femmes spirituelles de se retrouver dans un espace où il n'y a pas de vente, où il n'y a pas de. C'est que du support entre nous et tout. Ce groupe est en train d'exploser. Ces femmes sont en train de dire, vous nous avez changé la vie, vous nous avez, tu vois. Et tu te rappelles que je disais, ta mission est tellement plus grande, elle est tellement. Et j'ai compris maintenant. Il faut que, au lieu que 95% soient pauvres et 5% gagnent tout, non, l'intérêt, c'est qu'on gagne toutes beaucoup d'argent, qu'on soit tous de sortir de cette pauvreté, tu vois. Donc du coup, on a décidé, je vais refaire une masterclass. Elle va être un petit peu Tiens-moi au différente. courant. Mais cette fois, on va la faire en l'honneur des offres, on va la faire à 44 euros, tu vois. On va la faire à ce prix parce que c'est pas. C'est marrant quand tu n'es pas dans le besoin. Quand tu regardes ce qui se passe, c'est pas beau ce qu'on voit hier. Tu vois, c'est des femmes qui souffraient. C'est souffrir. Quand on souffre, il y a les maladies qui arrivent. Il y a beaucoup de choses. Dans la colère, ça crée des choses. Il faut qu'on rentre dans ce bonheur et à toutes se motiver à rentrer dans l'intention. Moi, je vis dans l'intention. À chaque fois que je vais faire quelque chose, ce soir, j'ai mis l'intention. Tu vois, je mets dans l'intention dans tout ce qui va et les choses sont très belles après. Et donc, ce que je veux faire, c'est que changer l'image du coaching en France en ce moment et à l'étranger, parce que moi, je suis très présente. Et c'est marrant parce que moi, c'était tous mes clients, c'était tous les Américains. Moi, c'était parler français, c'est difficile pour moi. Hein. Je me suis Ouais, je peux remarqué, j'ai des mots comprendre. bizarres. Hein. Ouais, non, je comprends. Moi, je suis une Ouais. expat, hein, Ouais. Ah toute ouais, ma tu vois. vie. Ouais. Et donc, J'ai c'est pour vécu ça. 26 ans en Espagne, donc je sais ce que Ah. c'est, toutes mes études en espagnol. Donc recommencer à parler et à switcher en français, c'est compliqué. C'est compliqué, on oublie, hein. On oublie notre langue natale, tu Complètement. sais, ça c'est. Ouais. Et donc, j'ai mis l'intention justement de m'entourer de personnes exceptionnelles, parce qu'il y a des gens exceptionnels, des coachs qui ont un talent fou, et pour l'instant, on définit le talent à combien les gens gagnent. Non, il faut changer ça. Il faut changer ça parce que ça n'a rien à voir. Et tu sais, moi, je vois beaucoup de choses qui vont se passer parce que si tu. L'univers aussi, je ne sais pas si tu connais Dolores Cannon. Non, je connais pas. Dolores Cannon, c'est celle qui fait toutes les hypnoses de passe, qui a fait, parce qu'elle est là, de passe régression. Et elle a dit, tu peux manifester ce que tu veux dans la vie tant que tu ne fais pas de mal à quelqu'un et que tu ne te prends rien à quelqu'un. Moi, je pense que quand un coach pousse quelqu'un à prendre une dette, il prend quelque chose à ce coach et il s'enlève lui. Pour moi, c'est tout. Tous les coachs qui avancent, et je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer, mais bien sûr qu'on peut être millionnaire, bien sûr qu'on peut être tout ça. Mais c'est dans le cœur. Il faut savoir
aider, il faut savoir, tu sais. Et c'est ce que je vois en ce moment. Il faut qu'on ramène tous ces coachs dans le cœur. C'est ma mission, je vais y arriver. Ça, c'est, parce que je pense que le cœur, il est là. Mais tu as eu tellement cet attrait de l'argent, des grosses sommes, des trucs comme ça, qu'on a oublié d'être dans le cœur. Et l'univers, il va te rattraper. Et là, en ce moment, ben, c'est le moment où jamais, ben, on va se ressaisir. Mais tout ensemble. Et tout dans la bonté, dans le non-jugement, dans le, tu vois. Moi, ma coach, elle me dit, tu es Mère Teresa en stéroïde. Mais je pense que, comme tu sais, ou comme beaucoup savent, les temps vont devenir difficiles. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Et il faut qu'on s'ancre. Et moi, je dis qu'on s'ancre en se tenant tous la main. Tu vois, en se supportant les unes les autres, en s'écoutant, en se motivant. Et même au début, quand je voulais faire ma masterclass à 44 euros, j'avais envie que les gens fassent aussi le pledge, comment tu dis le pledge, le vœu, L'intention, l'intention, voilà, le souhait. de dépenser 44 chez un autre coach qui vient de commencer pour les aider. Si vous voyez quelqu'un qui est en train d'avoir du mal, ben, investissez, c'est rien, va investir 40 euros chez quelqu'un. C'est pas beaucoup, mais ça permettra peut-être de rester dans leur maison, tu vois, de le sortir de la peur. Du moment que tu sors de la peur, c'est là que tu vas commencer à générer de l'argent de tout ça. Donc voilà, quoi, ça c'est un petit peu. Est-ce que j'ai tenu les 20 minutes? 22 Ouais, à peu minutes! près, ça va, c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est chouette parce que tu nous as fait vraiment retranscrire un petit bout de ton histoire, de ton parcours, de finalement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu es donc coach mentor en quantique, hein. Et Mais le puis, tu vrai vas. quantique. Pardon? Le vrai Le quantique. vrai quantique, ouais. Pas la pilule magique, comme je dis, qui s'appelle, tu vois. Ça, c'est ouais. Ouais, L'ancienne Solveig qui école, nous dit voilà. très. Solveig qui nous dit très intéressant, Ah, effectivement, c'est merci. très intéressant. Ben, ça marche. Moi, je suis la preuve de ça marche. Par deux fois, comme je dis, au moins 6 mois, j'ai manifesté des très grosses sommes sans rien Tu faire. peux Hein. nous dire dans une fourchette sans être. Au-dessus du million de dollars. Ok. Ah ouais. Donc, ouais. Mais la deuxième fois, c'est pas beau comme je l'ai gagné. Et c'est pour ça, quand je vois les gens qui. Quoi, c'est pas beau. C'est beau et c'est pas beau. Quand je vois les gens, comment ils manifestent, il y a un danger. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que mon deuxième chèque, je l'avais écrit avec mon père. Parce que lui, il croyait en moi. Hein. Lui, il était. Donc, je l'avais écrit avec mon père. On l'avait écrit tous les deux. Il m'avait fait le pari que. Moi, j'avais dit 2 ans pour le faire, le deuxième chèque. Il m'avait dit 1 an. Tu vois, j'ai dit, allez. Je dis, si je le manifeste celui-là, je dis, je t'achète une maison au bord de l'eau. Le deuxième chèque, je l'ai parce que l'héritage de mon père. Faut faire gaffe, hein. Faut faire attention avec l'univers. Hein. Faut faire Il attention. faut faire attention. D'un autre côté, je sais que Alors, tu c'était. sais, je vais vous partager un truc que je n'ai jamais dit en live et que je n'ai jamais partagé avec vous, ma communauté. J'ai toujours dit, donc j'ai 38 ans cette année, j'ai toujours dit que pour mes 40 ans, je voulais me refaire les seins. Parce que j'ai eu un enfant, parce que, voilà, il s'avère que j'ai les seins refaits. Ouais. Mais c'est suite à un cancer et une mastectomie. Exactement. C'est pour ça que Donc, moi, quand on je. dit qu'il faut faire attention à ce qu'on manifeste, c'est Ouais. vrai. Et moi, j'ai 35 ans d'expérience. J'ai 55 ans. Hein. J'ai 35 ans d'expérience. J'ai quand même fait la boulette. Tu vois, c'est. Et tout ça parce que j'ai pas mis. Dans le chèque, il y a tout un truc à faire. D'un autre côté. Je me crois pas responsable parce que je comprends que c'était la mission de vie de mon père. Il avait Bien fini. sûr, oui, bien sûr. Non, Donc, non, il n'y a non, c'est pas. pas. L'univers est On est allé. d'accord. Voilà. Et puis maintenant, j'ai gagné un ange gardien qui est extraordinaire. Donc, c'est pas du tout ça. Mais il faut faire attention. J'ai la maman d'une amie. Pareil. Elle voulait manifester et tout ça. Et puis, elle s'est fait opérer de la vésicule biliaire. Ça s'est mal passé. Il y a eu un incident. Elle a fait une infection, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, elle est millionnaire parce que ben, elle s'est retrouvée paralysée de la tête aux pieds. Et puis, elle est dans un fauteuil roulant. Elle a poursuivi en justice l'hôpital et le docteur. Elle a gagné. Donc, elle est millionnaire sur un siège roulant. Donc, c'est pour ça, moi, quand je vois tout ça, les gens qui jouent avec la manifestation, les trucs comme ça, comme je dis, moi, avec 35 ans d'expérience, j'ai quand même, tu vois. Bon, peut-être pas une erreur, je pense pas qu'il y ait une erreur parce que vu comment ça s'est passé,
il a choisi. Hier soir, j'ai eu une médium extraordinaire parce que j'avais dit, il est quand même rentré dans le coma pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, j'ai pu être avec lui et tout. Et je lui avais dit une phrase. J'ai dit, quand tu me reviens, j'ai dit, envoie-moi quelqu'un qui me dira cette phrase. Et jusqu'à présent, il n'y avait personne qui me l'avait dite. Hier soir, il y avait quelqu'un qui me l'a dit. Donc, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est, tu vois. Il fallait que aussi je le laisse partir, elle m'a dit. Elle m'a dit, parce que ta peine le retient. Et c'est vrai que c'est dur, tu vois. Et je sais, je communique avec lui, il est toujours là, il est toujours. Donc, et c'est pour ça, c'est lui qui dit, c'est ta mission. C'est ta mission d'enlever cette peine, d'aider tous ces coachs qui sont. Et c'est pas difficile, tu sais, moi, j'ai pas des programmes de 6 mois. Hein. Moi, bien souvent, une session, il y a tout qui me vient, je te dis, bah, tu sais, c'est facile, dans une session, je te vois. Je te vois, c'est énorme, ça. Je te vois, toi. Je vois pas un checkbook, comment tu dis, un billet, je vois pas ça. Je te vois, toi. Je vois, toi, je te dis, mais c'est ça. J'ai tous ces trucs qui me disent, bah, c'est ça qu'il faut aller. Moi, j'ai. Et donc, c'est ça ma mission, je crois. Donc, je mets plus ou moins le parenting de côté pour l'instant. Ça, c'est pas moi que je m'occupe de Du reste. développer ce truc. J'ai plein de médiums qui m'ont contacté, tu sais, qui me disent, mais oui, c'est ça. C'est ça, j'ai ma petite Audrey. Parce que aux États-Unis, j'avais rencontré une communauté spirituelle avec Audrey et Fabien, qui, pareil, sont très spirituels. Elle est dans Donc l'ouverture c'est du cœur. Audrey Lefebvre, c'est ça? Ouais, c'est ma petite sœur, ça. Et Audrey, elle, c'est d'ouvrir le cœur. Donc, entre toutes les deux, on fait beaucoup de coaching à deux, parce qu'elle, elle ouvre le cœur et moi, j'y rentre dedans, tu vois? Et puis, ça se passe, c'est des miracles qui se passent. Mais sincèrement, va voir sur la communauté, ça s'appelle le Quantum Delta. C'est une communauté qu'on n'a jamais vue dans le coaching, tu vois? Parce que c'est une communauté de cœur. On y retourne, on va dedans, tu vois? Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est beau. Et puis j'avais embauché Nikki, je ne sais pas si tu connais Nikki Doual. Moi, au tout début, je l'ai vue, elle, j'ai dit, elle va aller loin. J'ai dit, elle, et je l'ai embauchée, elle, tu vois. Là, je m'apprête même à refaire un programme avec elle parce qu'elle en a marre que je sois Mère Teresa. Mais il y a quelqu'un qui me dit, oh, mais je ne peux pas payer et tout. Je dis, ah, ben, c'est pas grave. Non, il faut que j'arrête. Elle m'a dit, tu arrêtes avec ça, hein. Tu arrêtes. Hein. Donc voilà, quoi, tu sais, ça c'est redonner l'espoir, mais l'espoir c'est ça. Il faut remonter les vibrations de tout le monde. Et en mettant tout le monde dans la peur, dans le manque, dans le truc, les vibrations sont très basses. Donc dès qu'on va avoir un coup qui va arriver, ben, ça va souffrir. Hein. Et puis je sais pas si tu connais, si tu as vu autour de toi, c'est pas l'année des papas. Hein. Ils meurent tous autour de nous. C'est une catastrophe. Ça c'est bon, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, ça c'est. Donc, bah ouais, je parle trop, hein. Demi-heure, je t'avais dit, Non. j'arrêterai, Puis moi, vas-y. je me laisse facilement embarquer aussi quand je suis happée, voilà. Mais on a une mission, tous. On a une mission, et moi, l'intention que j'avais mise, là, c'est tous les gens qui vont regarder ça, c'est de. Vous avez été choisis. Parce que les gens, j'arrive dans la vie des gens quand ils sont prêts à faire un quantum loop. Tu sais, ça, c'est. Mais tu sais que je suis tombée complètement par hasard sur Il n'y a pas ton compte, d'hasard. sur Facebook. Non, non, mais j'explique avec des mots. J'y crois pas au hasard. Je te l'ai dit en message. Je te dis, bah, écoute, c'est le moment, quoi. Je suis tombée sur une publication de toi. Et je dis, OK, allez, on y va. Et je t'ai contactée pour cette interview parce que, voilà, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard et que ça me parlait, tes mots vibraient en moi. Et je trouvais très intéressant ton discours et j'avais vraiment envie de le partager sur ma communauté. Alors, c'est une petite communauté, mais hyper bienveillante et hyper à l'écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent en replay et c'est un cadeau que tu leur fais de pouvoir leur expliquer tout ça. Et de leur partager ton parcours. Donc voilà. Ouais, c'est super. Moi, je suis pas très présente sur Instagram encore. Mais alors, ce que je t'invite à faire, c'est quand la vidéo va être publiée, tu peux venir mettre, si tu as un groupe sur Facebook, parce que je sais que tu es plus présente sur Facebook, justement, donc dans les commentaires sous la vidéo, tu peux venir mettre tes coordonnées, justement, pour que les gens ils puissent venir te retrouver. Si c'est sur Facebook, hop, ils jumpent sur Facebook. Donc, ça, c'est la Super. première chose. Puis avant, on va gentiment se quitter, parce que sinon, on pourrait, je pense, parler encore un moment, n'est-ce 2h30, c'est mes lives, 2h30, et il n'y a personne qui passe, c'est ça qui est bizarre. pas? Ouais. Juste, est-ce que tu pourrais nous partager, du coup, trois personnes qui
t'inspirent ou qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui et sur ce cheminement, en fait, vraiment des personnes que tu, voilà, que tu as envie de nous offrir comme cadeau, parce que moi, je considère que quand on recommande quelqu'un, c'est un cadeau qu'on fait à la personne. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager trois cadeaux? Tu parles vivant ou des gens qui vont Peu vraiment. importe, ça peut être des personnes qui sont toujours là ou des auteurs qui sont peut-être décédés, enfin voilà, c'est peu importe. Mais des personnes que tu pourras, qu'on peut aller voir, c'est-à-dire que si c'est un livre, qu'on peut aller regarder ce qu'ils ont fait, si c'est, ouais, pas forcément de la famille, voilà, c'est plus dans l'ordre, yes, les accords Toltec de Miguel Ruiz, ouais, Don Miguel. Ça reste pas. Une Ah, fois que vous c'est. vivez selon ces accords, surtout celui, mon préféré, c'est tu n'assumeras pas. Tu vois, donc tu n'assumes jamais ce que les autres peuvent penser. Ça, c'est donc ça, C'est c'est un la, peu. je pense qu'en français, c'est la supposition. Ne fais pas de supposition, et si tu en fais Voilà. deux, fais-en deux. C'est ça? Ouais. Exactement. Ça, pour moi, c'est la plus belle parce que du coup, j'assume jamais les gens. Je suis dans le non-jugement. Je me force à être dans le non-jugement parce que Là, c'est. l'autre n'existe pas. L'autre n'existe pas. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait bouger, c'est quelque chose qui doit travailler, que tu dois travailler en toi. Qui Donc, une résonne fois en que toi. tu mets pas, d'abord, tu n'es plus une victime. Moi, je refuse d'être une victime. Tu te prends en charge. C'est vachement plus facile à vivre. Ça, je peux t'assurer. Moi, je vis en constitution. Je suis amoureuse de la vie. Tu vois, c'est. Mais bon, ça, c'est des livres, c'est des. Sinon, ben, moi, ma vie a changé. Donc, justement, avec Audrey, Fabien et Niki, ma vie a complètement changé. On se parle tous les jours parce qu'on vivait ensemble aux États-Unis quasiment. Et puis après, je suis revenue ici et on commence à parler les 6 heures du matin, tu sais, avec Niki, on se fait du sable et tout ça. Donc, la communauté est partie de là. Et tu sais que les gens, selon les clés génétiques qu'ils ont, ils s'activent. Et nous, tous les quatre, on s'active d'une manière absolument exponentielle parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Hein. Seul, on n'y arrive pas. Ça, c'est, Ouais, je comprends. et donc, voilà. Donc, si vous voulez apprendre à. Ben, tu sais, après ça, une fois que tu as compris comment marche la vie, comment marche l'univers, comment marche le quantique, sincèrement, tu n'as pas beaucoup. Oui, moi, j'avais besoin d'un poste de business parce que moi. Non seulement ça, je connais rien, mais ça m'intéresse pas. Donc ça, je l'ai pris un coach comme ça. Mais après, tout ce qui est diriger ma vie et tout ça, ben, tu sais le faire avec le quantique. Une fois que tu apprends à communiquer, c'est ce que j'apprends à tout le monde là en ce moment, à communiquer avec l'univers, par des petits trucs, je dis, allez, manifester une plume, une voiture jaune. Qu'est-ce que ça fait? Ça remet les gens dans le présent. Parce que les gens, tu sais, c'est le livre The Power of Now, le pouvoir de maintenant, c'est de Eckhart D'Eckhart Tolle. Tolle. Voilà. Et c'est une fois que tu dis aux gens, manifestez une plume. Ils vont se mettre dans le moment présent pour aller chercher des plumes. Et après, ils vont s'apercevoir que la plume, c'est pas forcément une plume là. Ça peut être une plume sur une photo. Sur Ça quoi? peut être. Donc, ils vont apprendre. Je suis en train de leur apprendre le langage de l'univers. C'est Moi, j'ai petit à petit. manifesté mon dragon. Ah, tu as suivi? Tu as suivi? Non, Oh, ouais. Ah, c'est non, alors je l'ai pas, j'ai pas vu ta masterclass vraiment, et je vrai, j'ai vu ça. regrette Mais parce c'est un que, mouvement. C'est un mouvement maintenant. mais j'ai manifesté un jour dans un train un dragon, mon Ouais, dragon. Et ouais. en fait, alors j'ai pas eu le dragon à proprement parler, mais j'ai eu le chevalier. Ah, ouais. Alors, l'univers était taquin avec moi, il m'a pas montré mon dragon, il m'a juste montré le chevalier. En plus, à savoir qu'en Espagne, donc moi j'ai grandi à Barcelone, on a une tradition Ah, c'est beau. le 23 avril, où c'est justement c'est la légende du chevalier qui va tuer le dragon en fait. C'est pour ça que moi j'ai fait cette association. Voilà, bon, voilà. Mais tu as appris le langage de l'univers. Tu as appris que là, il communique quand même avec toi. Et c'est ce que Tout à j'essaye fait. d'apprendre aux gens. Que c'est pas, vous dictez pas comment le dictez, comment l'univers va vous répondre. Mais vous allez apprendre petit à petit comment il vous répond. Moi, il répond avec beaucoup d'humour. Donc, je vais chercher l'humour de partout parce que je sais que, bon, tu vois, c'était. Donc, il faut apprendre. Il faut comprendre par le début. Tu vas pas, du jour au lendemain, manifester un chèque de beaucoup d'argent. Tu vois, tu vas pas faire ça. Tu vas apprendre doucement. Et moi, l'autre jour, c'est marrant parce que je leur disais tous, allez manifester une plume, tu sais. Moi, je dis manifester une plume 2 secondes. Après, j'en vois une. Mais là, j'étais en pleine mer avec ma fille. Et je dis, tu sais quoi? Je leur ai tous manifesté une plume, on va voir si je peux le faire. Je te promets, je me retourne avec une plume dans l'eau, je l'ai filmé. Je dis, ok, ça va. J'ai toujours le. Tu sais, comme la sorcière bien-aimée, tu sais, Bon, voilà, quoi. Tu vois, donc c'est un truc. C'est beau une fois que tu as compris comment l'univers, le quantique marche.
parce que c'est tout mathématique. Moi, je suis pas. Moi, c'est tout la physique quantique. J'adore. Il t'explique pourquoi et tout ça. Ah, donc du coup, Joe Dispenza. Ah, moi, je suis une vieux Joe fan de Dispenza, Joe ouais. Dispenza. Il est Dr. Joe. D'ailleurs, il passe à Paris dans pas longtemps. Je voulais y aller, mais il n'y avait plus de VIP ticket. Ouais, en octobre, je crois. Hein. Ouais. Non, c'est pas en octobre, Ouais, il me semble, 23, je sais 24 plus. octobre, je crois. Et quand je suis allée voir, il n'y avait plus de. Alors, je dis, OK, est-ce que je manifeste un VIP ticket? Ou après, j'ai dit, non, j'irai le voir aux États-Unis. Ça, c'est belles âmes, merci. Mes âmes, Mais mesdames, tu mesdames, vois. ouais, mesdames, ouais. Ok, Bah, en tout écoute, cas, merci du merci fond à du cœur, toi. Corinne. On a carrément dépassé, donc je vais Je essayer savais. d'abréger. Oui, et puis moi, je me suis laissée embarquer, hein, pas de souci. Merci. Merci du fond du cœur pour ton temps, pour nous Merci à avoir toi. partagé tout ça aujourd'hui, ce soir. Merveilleux. Allez, donc, je vais le répéter pour les personnes qui viennent nous rejoindre, mais si vous êtes intéressé par le quantique, allez voir donc le groupe de Corinne sur Facebook qui s'appelle Quantum Delta. Voilà. Mais sinon, moi, c'est Corinne Kaya. Caill2LAT. Et j'ai deux Voilà. comptes. Un, ça dit Corinne Norton Kaya. Ça, c'était mon compte. Si vous Perso. voyez plein de photos de mariés, tout ça, c'est ma fille. Donc, c'est privé. Tu sais que tu peux bloquer, hein, tu peux le mettre en privé ton compte. Mais tu sais, de mon côté, je veux que les gens voient que ben, c'est possible, tu peux manifester le bonheur, tu sais, donc voilà quoi. Donc si voilà, Corinne Kaya sur Facebook, je vous accueille les bras ouverts. Et si vous avez ben, tous vu aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est parce que vous êtes prêts à faire un saut quantique, que vous êtes prêts à passer à autre chose, que vous êtes un peu glou. Glou, on dit pas glou, on est un peu collé dans ce que vous faites maintenant. Et puis, de belles choses vont arriver si vous allez dans le cœur. Si vous n'allez pas dans le cœur, hasta la vista. Ben Solveig voilà. qui nous dit merci mesdames, vous êtes formidables toutes les deux. Toi aussi, ma Solveig, Solveig qui est ma coach quantique aussi. Donc voilà. Super. Ah, mais C'est pour ça super, que j'étais j'adore ça. contente. J'adore. Elle assiste jamais à mes lives. C'est pour ça que j'étais vraiment. Voilà. Je l'ai attirée, hein. Tu sais, quand C'est tu ça. vibres à la même vibration, C'est ça. tu attires les gens de C'est ta même rare qu'elle vibration. soit présente et aujourd'hui Voilà. elle était là, donc ça me fait Ah, je suis plaisir. honorée alors, je suis honorée, ça c'est très bien. Et merci, Voilà. Merci merci à à vous toi. tous. Ouais, Merci à merci à vous tout le tous qui étaient monde. là. À Et ceux puis qui regarderont rejoins-nous. en replay, exactement. Allez voir Corinne sur Facebook, sur sa communauté. Et ouais, c'est là qu'il dit, c'est vrai, c'est incroyable. Bah, exactement. Donc, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas Non. je ne trouve plus mes mots. Bref, vous m'avez compris, il n'y a pas de hasard. En tout cas, merci. Je vous souhaite à tous une Merci à très toi. belle soirée. Merci à On toi a fait même. le double ce soir que d'habitude. C'est OK. De temps en temps, voilà. J'aime bien. Voilà. Je vous Super. embrasse très Merci fort à tout le monde. et je vous dis une belle soirée. Bisous, Corinne. Ciao. Bisous, ciao, ciao.